Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Moi, je le suis. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi, le 12 septembre, et ça fait 3 ans ce soir, jour pour jour, que j'ai parti mon site de cours en ligne et qu'on a commencé ensemble cette superbe aventure. Alors ce soir, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Céline Roger, artiste peintre et enseignante en beaux-arts. Alors sur mon site web, célinerogertv.com, je vais mettre la petite bande déroulante. Des fois que vous n'auriez jamais vu le site web, je vous dis, vous avez intérêt à aller voir. J'ai énormément de contenu là-dessus. Et tous les mardis, je vous donne un petit direct gratuit sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Alors, je vous suggère fortement de vous abonner à ma page pour être sûr de ne rien manquer. Si vous allez sur la page YouTube, ce qui est de fantastique, si vous allez recevoir un courriel, vous pouvez le canceller, la notification. Mais en principe, si vous n'enlevez rien, vous allez recevoir une notification qui vous avise quand je pars en direct. Alors, vous êtes sûr de ne pas manquer le direct. Parce que dans les directs, je vous réponds pendant que je suis là. À la mesure du possible, parce que cette semaine, hier, j'essayais de vous répondre, il n'y avait aucun courriel, pas courriel, mais aucune notification qui rentrait. Puis, c'était vraiment un bug, je pense, de tout le monde, parce que c'est tout rentré par après. Il y en a que j'ai vu leurs questions ou leurs coucou à peu près 6 fois. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on fait faire ensemble? Qu'est-ce qu'on fait Et on bafouille un peu. Alors, ce soir, je vous parle de peinture à l'huile, je vous parle de peinture acrylique et je vous parle de quoi d'autre, donc? Je vais vous parler de plein d'affaires. Vous le savez, c'est rare que je vais vous parler de juste une affaire. Alors, peinture à l'huile, je vous parle des débuts. Pour les débutants, ceux qui n'ont jamais peint à l'huile puis qui seraient peut-être tentés, mais qu'ils se questionnent. Parce que je me souviens, à mes débuts, on me disait, Céline, tu veux-tu peindre à l'huile ou à l'acrylique? Puis j'étais, on aurait dit un chevreuil en plein milieu d'un chemin. J'avais aucune idée de la différence entre l'huile et l'acrylique. Bon, j'étais un peu plus jeune, vous allez dire, évidemment. Mais c'est des choses qui arrivent. Bon, là, il y en a qui me disent, je te trouve pas. Cherche. Tu vas me trouver, c'est sur ma page. Oh boy, on va y dire qu'on est là. Ce que je vais faire, je vais juste me mettre en mode avion, question de ne pas me faire déranger. De toute façon, je suis pas inquiète, elle va me trouver assez rapidement. La peinture acrylique, la peinture à l'huile, je vais vous dire et expliquer rapidement la différence. Si vous n'avez jamais peint de votre vie, ben ça va vous aider. S'il y en a qui se demandent, je devrais-tu aller vers cette option-là? Je suis pas sûre d'aimer ça. Tu sais, il y en a qui ils peignent puis ils font, bon, c'est pas pour moi la peinture. Mais dans le fond, c'est pas que la peinture n'est pas pour eux. Des fois, c'est juste qu'il leur manque quelques trucs. Des fois, c'est juste que c'est un détail qui va tout changer. Je me souviens, j'ai donné pendant presque une vingtaine d'années ici dans mon atelier à la maison, en présentiel, des cours à toutes les semaines. Je travaillais 5 jours semaine, je donnais des formations. Et j'en ai vu souvent qui commençaient le cours et disaient « Ah, moi, c'est ma dernière chance, je suis pas bonne en peinture. » Puis là, je leur donnais un truc ou deux que je vais vous donner ce soir. Et ils me disaient « Mon Dieu, ça change tout. » Et la semaine d'après, ils repartaient s'équiper encore plus. Parce que quand on commence et qu'on aime ça, ben c'est ça qui arrive, hein? On veut peindre. Puis souvent, c'est ça. Des fois, on a des petites embûches. Puis le simple fait d'avoir les trucs de base, bien, ça va nous aider à bien vouloir continuer et compléter les tableaux. Parce que, levez la main, hein? j'ai fait un petit peu de bricolage aujourd'hui. Alors, levez la main, ceux à qui c'est déjà arrivé, le doigt qui est beurré justement, ceux à qui c'est déjà arrivé d'avoir un tableau dans le garde-robe parce qu'ils ne savaient pas comment le finir, ou juste qu'ils ne savaient pas comment se débrouiller pour le reste. Des fois, on est bloqué, on fait « Ah, tant pis, on met ça de côté, puis on passe au plus facile. » On ne le fait pas, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous désembourber, de vous donner le goût encore plus de peindre. Et ceux qui n'ont jamais osé essayer, ben, je vais vous démêler tout ça pour pouvoir vous donner les outils pour que vous puissiez vous équiper comme il faut
sans vous ruiner, parce que oui, il y a moyen de s'équiper pour peindre à l'huile ou à l'acrylique sans se ruiner. Alors, je vais parler de la peinture à l'huile pour les débutants, le matériel de base, à quoi ça sert, les fameux outils. Moi, je me souviens, c'est arrivé, je pourrais dire, une fois sur trois, que quelqu'un m'arrivait avec ça, puis il me disait en chuchotant, je sais pas, Céline, à quoi ça sert? Je l'ai acheté pareil parce que je voyais que tout le monde l'avait. Hey, j'en ai plusieurs qui m'ont déjà dit ça. Alors, je vais vous l'expliquer et je vais vous le montrer. Alors, on va parler de ça. Et ensuite, je vais vous parler d'une technique mixte pour vous aider à rattraper des gâchis. Je vais vous montrer un gâchis que j'ai fait cette semaine. C'était voulu un peu, je vais vous dire, parce que je faisais différentes démonstrations. Puis à la fin, j'ai juste enlevé la peinture en gros. Mais ça peut vous arriver d'avoir des croûtes. Des vieilles croûtes. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des marques parce que vous avez fait un rebord. Là, vous ne pouvez plus l'enlever. C'est sur du bois. Alors, je vais vous montrer comment récupérer ça, qu'il n'y ait pas de texture. Ben, pas qu'il n'y ait pas de texture parce qu'on va faire la texture, évidemment. Mais comment récupérer ces textures-là? Alors, je vais vous parler de peinture acrylique et de médium acrylique. Un médium que j'ai découvert cette année, que j'ai adoré. J'ai trouvé, je pourrais dire, au moins trois ou quatre façons de le travailler. J'en ai déjà montré plusieurs dans mon forfait membre de l'atelier, parce qu'à toutes les semaines, on peint ensemble dans le forfait membre de l'atelier. Alors, ceux qui étaient en congé cet été, qui n'ont pas sorti leur pinceau de l'été, alors retournez voir les vidéos qu'il y a eu cet été, vous allez avoir du fun avec la pâte à fibres. Alors, je vais vous montrer comment l'utiliser tantôt, comment récupérer le tableau. Et je pense que c'est à peu près ça qu'on a en gros. Deux gros projets. Alors, je vais juste m'assurer de voir que les commentaires rentrent, que tout est beau, parce que là, je veux juste être sûr que ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. On va enlever 2 secondes les petites notifications, baisser le son, parce que je veux voir, est-ce qu'on va pouvoir aller voir ça? Non, c'est pas sur le bon. Des fois, quand vous cherchez pour me trouver, allez sur ma page Céline Rogier Artiste Peintre. Il y en a des fois, ils me cherchent puis ils ne trouvent pas. Ben, c'est parce qu'ils sont juste sur ma page personnelle. C'est pas la même chose. Et mes directs, je les fais toujours sur ma page Facebook. Ma page Céline Rogier Artiste Peintre. Alors là, je vais juste voir. Ben voyons donc, toi. Un jour. Ah, mais non. C'est donc même bizarre, ça. On dirait que je suis pas là. Hey, je vois pas le direct, c'est rare, ça. Je suis juste en train d'enregistrer, puis non, je suis live. Êtes-vous capable de me partager ça? Ou si je suis juste sur YouTube? C'est vraiment bizarre, on dirait que je vois pas le live, c'est très très rare ça. Sur quoi je suis partie, moi là? Mystère et boule de gomme, j'espère que sur YouTube vous pouvez voir au moins. C'est vraiment bizarre ça. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. On a de la misère avec Facebook ces temps-ci, hein? Bon, au moins sur YouTube, vous pouvez me voir en direct. Merveilleux. Si je clique dessus, je vais juste vérifier que tout est là. Bon, OK. Alors, ça, c'est là. Fait que si vous voulez m'écrire, bonjour Daniel. Alors, si vous voulez m'écrire, me parler en direct, allez sur YouTube, ça va être plus facile parce que sur Facebook, sincèrement, moi-même, je ne vois pas le direct. Ça va pas bien, la patente. Je vais juste voir. Ah oui, elle dit. Oh, OK. Fait que, écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi sur Facebook. Si vous me voyez, tant mieux. C'est vraiment, 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 vraiment bizarre. Était. Ouais. C'est ça. Alors, on continue. Alors, je vous parle de la peinture à l'huile. Alors, peinture à l'huile. Ce que vous avez besoin pour débuter, vous allez avoir besoin de la peinture à l'huile. Et ça, vous allez avoir besoin de différentes qualités. Je vais juste enlever la petite bande déroulante. Alors, vous allez avoir besoin de différentes qualités. Il y en existe plusieurs marques. Winsor & Newton, que j'adore. Hein? Ça, c'est la gamme professionnelle, la gamme artiste. Là, mon tube est beurré, évidemment. Il y a un peu d'âge. Et la marque Van Gogh ou Rembrandt, trois bonnes marques. Golden, c'est dans la gamme Williamsburg, qui est vraiment dans les tops. À côté, avec le Winsor & Newton professionnel, c'est quasiment la même qualité quand vous comparez ces deux types de pigments-là, parce qu'ils mettent autant de flocons de pigments dedans. Je vous le dis comme ça, je le simplifie, mais c'est ça. Alors, vous avez besoin de peinture à l'huile. Moi, ce que je vous suggère, je vous dirais, prenez un crayon puis un papier, là, parce que vous allez avoir des notes à prendre. Je vous dirais, au niveau des couleurs, ce soir, je ne suis pas là pour vous parler des couleurs à avoir. Je vous dirais, allez lire mon article de blog qui parle des couleurs. Vous allez voir, vous allez sur mon site web, il y a un onglet, c'est écrit
C'est écrit, excusez, j'ai un blanc. C'est écrit blog. Oh my god, hey, la fin de la journée va être off, hein? Alors, c'est écrit blog et vous allez dans la page 2 parce que j'ai deux pages. Et c'est le premier article que j'ai écrit. Vous allez voir les couleurs à choisir. Je pense que ça s'appelle comme ça quand on veut débuter à peindre. Et vous allez avoir tous mes conseils et les couleurs que je vous suggère d'avoir pour vous procurer la peinture. Si vous ne voulez pas lire tout l'article, puis vous voulez ça hyper simple, et que vous voulez la liste de matériel que je vais vous parler ce soir, je vous dirais, allez sur mon site web, CélineRogerTV.com. Vous allez voir, il y a la foire aux questions, et vous allez avoir l'accès à la liste que vous pouvez demander d'avoir le document pour l'imprimer. Et en même temps, pendant que vous êtes dans le blog, moi je vous dirais, vous pouvez sauvegarder mon coupon, mon code promo pour chez Dessert, parce que ça va vous donner un 10% de rabais aussi. Ça vous prend le visuel. Donc, juste à l'enregistrer en photo sur votre cellulaire ou l'imprimer tout simplement. Et si vous êtes membre de l'atelier, bien, juste à me demander. En vous promenant sur le site, vous allez le voir un peu partout, le code. Vous allez le recevoir quand vous vous abonnez. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi par courriel. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Alors, ça va vous prendre la peinture. Je vous dirais, au début, pas plus que 5 tubes, en principe, pour voir si vous aimez ça. Et garochez-vous pas à vous acheter les gros tubes en partant si vous peignez à l'huile. Parce que l'huile, là, ça ne va pas vous coûter cher, dans le sens que les tubes coûtent une petite affaire plus cher que l'acrylique, mais ils durent beaucoup plus longtemps. Alors, pourquoi? Parce que la peinture à l'huile, ça s'étire. On peut remplir une page avec juste un petit poids. Tandis que si on prend la grosseur d'un poids, on va remplir même pas un carreau avec de la peinture acrylique. La peinture à l'huile, ça le dit, hein, c'est de l'huile. Alors, ça se nettoie comment de l'huile? Ça prend de l'eau, du savon, évidemment. Mais ça va vous prendre aussi un petit peu de ce qu'on appelle la taltine. Alors, il y a plusieurs compagnies qui en font. Dessert en fait, Liquitex en fait sûrement. Écoutez, je ne me souviens plus. Je ne regarde jamais la marque. J'achète de la taltine au Québec. C'est un produit... un peu moins fort que le solvant et que la térébenthine. C'est vraiment fantastique, c'est mieux pour nous et c'est suffisant pour nettoyer nos pinceaux. Et ce qu'il y a de beau, c'est que ça ne les magane pas trop. Alors, la taltine, c'est comme pour décaper, dégraisser. C'est un dégraissant, en fait. Vous allez pouvoir dégraisser la peinture à l'huile de vos tubes de peinture. Sur vos pinceaux, évidemment, quand vous allez les nettoyer. Ça va vous prendre des pinceaux. Moi, je vous dirais que pour débuter, vous avez besoin de 4 ou 5 pinceaux, pas bien, bien plus. Vous allez avoir besoin d'un pinceau plat, comme ça. Celui-là, moi, j'ai le numéro 8, là, actuellement. Ça part à 2 dans le Nobel. Ils sont beaux, bons, pas chers. Vous les avez chez Dessert, en ligne, en magasin. À Sherbrooke, vous allez les retrouver facilement. J'étais allée encore la semaine passée, puis ils se sont grillés, ils en ont plusieurs. Alors, le numéro 2, il est tout petit comme ça. Alors, 2, 4, 6, 8. Quand vous commencez, à moins que vous commenciez sur des immenses tableaux, genre 24 par 36 pouces, bien là, si vous commencez comme ça avec des gros formats, commencez avec les numéros 8, 10, 12, là, tu sais. Mais si vous commencez avec des petits formats, 16 par 20 maximum, 8 par 10, là, je parle en pouces, bien, allez-y avec des petits pinceaux pour débuter. 2, 4, 6, 8, en grossissant, ça va être parfait. Ce qui est important pour la peinture à l'huile, ça vous prend des poils qui sont doux, OK? Et que vous allez avoir un certain rebond. Alors, il ne faut pas que ça soit trop doux. Je vous donne un exemple. Bien, comme là, ici, j'ai une mop. Tu sais, c'est super doux, ça plie facilement. C'est plus pour l'aquarelle. C'est sûr que pour l'huile, il y a des petits trucs avec une mop à avoir, mais il y a des pinceaux pour la peinture. Attends un peu, je vais essayer d'en trouver un dans mon pot. Mes pinceaux aquarelles sont rarement là. J'en ai-tu un pour l'aquarelle? Pas bien, bien. Ils sont tous serrés dans une petite enveloppe. J'en ai un ici. Non. Il est un peu trop doux, mais pas tant. Attends un peu. Je pense que je l'ai ici, pas loin. Oui, je l'ai. C'est des petits pinceaux, hein, les pinceaux aquarelles. Là, j'ai un étui ici. Il est tout petit. Vous allez vous demander où c'est que j'ai pris ça. C'était pour les ustensiles. Quelqu'un qui m'avait donné ça. Ma maman. Elle avait acheté des ustensiles, puis ça venait avec ça. Alors, vous allez voir, les pinceaux pour l'aquarelle vont être très doux. Tu sais, comme ceux-là, là. Puis ça va être précisé souvent. C'est très doux. Ils peuvent... Puis c'est plus doux que ça, même celui-là. C'est pas tout à fait ça. Ça fait exprès, on dirait, parce que je veux vous montrer de quoi d'aquarelle. J'ai juste mes plus... Ah, celui-là. Ça, c'est très smooth. Ça prend quasiment juste de l'eau. C'est un petit sable. Vous allez voir, ça plie, c'est mou,
C'est à peine pour dire si ça soutient de l'eau. Alors ça, c'est vraiment plus pour l'aquarelle. Pour l'acrylique, ça prend quelque chose de plus stiff un peu. Ça peut être les pinceaux pour la peinture à l'huile, ça va faire. Ou des pinceaux en poil de porc. Celui-là, il a beaucoup de vécu. Mais les pinceaux en poil de porc sont plus rugueux, ils vont soutenir beaucoup plus l'acrylique. On va pouvoir peindre facilement. Mais la peinture à l'huile, c'est plus délicat. Et souvent, on va pouvoir faire des beaux fondus. Alors, si vous voulez faire des beaux fondus, bien, ça vous prend des beaux petits pinceaux qui vont être très doux. D'accord? Alors, si vous pouvez vous flatter la joue sans que ça accroche, vous allez être correct avec ça. Alors, les pinceaux, vous allez avoir besoin de deux ou trois pinceaux plats. Ensuite de ça, je vous dirais une langue de chat. OK? Celle-là, elle m'a gagné de la vie. T'as l'air, puis je vais vous en prendre un autre. Regardez, une langue de chat. Hein? Celle-là, c'est plus un pinceau rond, mais il y a les langues de chat qui sont un petit peu plus étirées. Vous en avez dans toutes les marques. Alors, dans les Raphaël, je les adore, ceux-là. Les Texturas sont plus rugueuses, par exemple, mais c'est parfait parce que souvent, quand on a besoin d'une langue de chat, ou comme celui-là que j'ai ici, c'est un Nobel, c'est dans mes préférés. Ce qui est le fun avec ceux-là, si vous voulez faire des nuages, des arbres, ou de la texture, ben c'est juste parfait. Ça vous en prend un texturé dans vos pinceaux. Ensuite de ça va vous prendre un très petit pinceau. Je vais juste m'en prendre un petit comme ça. Alors, pour signer, pour faire les petits détails, faire des cils, n'importe quoi, des poils, ça va vous prendre ça. Et je vous dirais une bonne mop. Là, les mops, il y en a de toutes les qualités. Cette gamme-là, c'est les Princeton. Je les adore. Beau, bon, pas cher. C'est plus cher que ceux que vous allez voir qui sont transparents. Là, j'en ai plus ici à la maison. Il y en a qui sont transparents, là, qui sont genre 3, 4, 5 piastres. Laissez ça là. Les poils passent leur temps à s'enlever. Puis c'est facile, hein, à tester. Quand vous êtes au magasin, prenez ça et faites juste tirer légèrement, sans pincer fort, juste flatter. S'il vous reste 4-5 poils à chaque fois que vous faites ça, dites-vous bien que quand vous allez peindre, les poils, devinez où ils vont rester sur votre toile. Et là, ça va vous faire des méchants gâchis. Alors moi, je vous suggère fortement d'avoir une bonne mop. Ça va vous coûter autour d'une dizaine de dollars, selon la grosseur de la mop que vous allez trouver. Mais en général, ils sont sensiblement pareils. Il y a des 1 pouce, 2 pouces. C'est pas mal ça qu'on va retrouver dans les boutiques d'art. Vous pouvez en trouver des plus gros, mais il faut chercher un peu plus longtemps. Mais ça existe. Alors, c'est tout au niveau des pinceaux. C'est tout ce que vous avez besoin. Ensuite de ça, tantôt, je vous parlais de Taltine. J'ai oublié de vous parler. Ça va vous prendre un pot maçon. Un pot maçon ou un pot hermétique que vous allez pouvoir mettre votre solvant qui va être sale. C'est pas compliqué. Là, c'est celui-là, il n'y a pas eu grand dépôt dedans. Mais ce qui arrive, c'est que quand je fais de la peinture à l'huile, je laisse reposer ma taltine dans mon pot quand je finis. Et là, la peinture va aller dans le fond. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez le dépôt, voyez-vous? Ça fait un petit dépôt. Alors là, lui, ça fait longtemps qu'il est là, c'est pour ça qu'il bouge presque pas. Mais si je le shake, oui, vous pouvez voir un peu les petits morceaux. Là, c'est sûr, il n'y a pas grand peinture là-dedans. Mais si je le shake, ben là, la peinture va aller un peu partout. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, vous allez en avoir épais de peinture. Surtout quand on débute, c'est pire parce qu'on gaspille un petit peu plus. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de le laisser reposer. Après 2 jours, vous allez pouvoir le transvider dans un autre pot. Conservez la taltine qui est propre et la boîte qu'il y a dans le fond, laissez-la dedans. Et faites toujours le même exercice quand vous finissez. Vous versez tout dans le pot où il y a de la boîte. Laissez ça reposer et vous transférez la taltine qui est restée propre. Comme ça, vous pouvez recycler votre taltine. Ça ne vous coûtera pas un bras. En taltine, vous allez pouvoir le réutiliser longtemps quand même. Et ça va vous aider. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est ces petits pots-là. Moi, je l'adore. Ça coûte. C'est quand même dispendieux, mais il vous fait sauver beaucoup de sous. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est en métal. Donc, si vous vous promenez, que vous allez dans une formation à l'extérieur, ou que vous allez peindre en plein air, ou vous allez chez une amie pour peindre, ben, ce pot-là, il n'est pas en vitre. Parce que ça m'est arrivé déjà, moi, d'échapper mon pot en étant en train de peindre à l'extérieur. Beau dégât sur l'asphalte. Et alors, si vous ne voulez pas être pris à ramasser de la vitre sur de l'asphalte, ou n'importe où ailleurs, d'avoir un dégât de la taltine, de l'huile et du pot de vitre. C'est une belle boîte à ramasser. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Vous pouvez retrouver ça chez Dessert. Et si vous ne le trouvez pas aussi, vous allez voir sur mon site web, j'ai ma page Amazon où vous pouvez vous acheter des produits. Je vous ai séparé ça pour l'huile ou l'acrylique. Vous avez les liens. C'est sûr que Amazon, des fois, c'est plus cher, mais quand on ne trouve pas, on est content de l'avoir. Puis il y a des fois que les prix sont justes aussi.
Mais c'est quand même pas donné ces pots-là. Il y en a différents formats. Ça, c'est le pot moyen. Alors, il y en existe un plus petit, puis il y en existe un plus gros. Alors, tout dépendant, si vous peignez avec des gros pinceaux, des longs pinceaux, vous allez avoir la différence, vous allez la voir. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça vous prend? Oh, le médium. Médium pour peindre, du Licoin. C'est le médium que je vous recommande. Licoin original de Winsor & Newton. OK? Ça vous prend ça. Ça, c'est pour étirer votre peinture. Puis là, tous les produits que je vous parle, je vais vous les montrer tantôt sur la feuille. C'est pour étirer votre peinture. C'est pour faire ce qu'on appelle des glacis, faire des effets de transparence. Ça va être aussi pour étirer la peinture, tout simplement. Vous allez voir. Et en plus, ce qui est le fun avec le Licoin, c'est que ça aide à, ça accélère le séchage de votre peinture. Alors, au lieu de prendre une semaine, trois semaines, un mois à sécher, ça peut prendre 2 à 3 jours environ, selon l'épaisseur de peinture que vous allez mettre. Licoin original. Et la beauté dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de mélanger ça, pas besoin de faire un mix. Autrefois, là, nos parents, là, ils faisaient un mix avec de la taltine, de l'huile de lin, puis un paquet d'autres affaires. Pas besoin. Pas besoin de mesurer rien. Prenez ça, c'est fait. That's it. Vous avez besoin de ça et de ça. C'est tout. Votre peinture, pinceau. Ensuite de ça, la spatule pour mélanger vos couleurs. Vous allez me dire, ah, Céline, je vais prendre mon pinceau. Oh, la gaffe! Si vous prenez votre pinceau, ce qui va arriver, premièrement, vous allez beaucoup moins maîtriser rapidement les mélanges de couleurs. Vous allez gaspiller énormément de peinture et vous allez avoir des toiles grisonnantes. Ça va faire juste de la bouette. Puis vous ne comprendrez pas pourquoi. Puis là, je vais vous le montrer tantôt, vous allez comprendre assez vite. Ça vous prend une spatule. Quelle spatule? Parce que là, vous allez me dire, Céline, des spatules, il y en a de toutes sortes. Ah, j'en ai, là, puis là, j'en ai d'autres dans un tiroir. Il y en a des mini, il y en a des très mini. Ça, c'est pour quand on peint à spatule, là. Allez pas acheter ça si vous ne faites pas de la peinture à spatule. Ça, c'est pour la peinture à spatule. Il y en a des carrés, il y en a de tous les styles. Les meilleurs à vous procurer, la classique, admettons que vous voulez vous en acheter juste une, ça peut être celle-là. Celle-là est standard, elle est comme à mi-chemin entre mes deux préférés. Alors moi, je vous dirais, si vous voulez vous en acheter deux, allez vous procurer celle-là, que j'adore. Le bout est arrondi. Hein, ça, moi, je préfère celle-là que celle qui est avec un bout carré, parce que ça déchire moins votre papier. Et la petite, il y a une raison pour ça. La petite et la plus grande, c'est que si des fois vous avez besoin d'une petite quantité, je vous le dis, si vous avez une petite spatule, vous allez en prendre beaucoup moins et vous allez arriver bien, plus rapidement à votre j'ai un gros blanc de mémoire, à votre résultat, excusez, au résultat que vous voulez. Et avec la grande spatule, c'est quand vous voulez faire des bonnes quantités. Alors, ça va vraiment vous aider d'avoir ces deux-là. Sinon, si vous en voulez juste une, la classique, celle-là. Il y en a une aussi qui existe, qui est comme, ben, peut-être pas comme celle-là, un peu plus trapue, là. Est un peu en angle. C'est correct aussi. C'est bon aussi. Les autres, je vous dirais, ben, ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous voulez peindre avec un pinceau ou à la spatule. Il en existe des grosses aussi. C'est pas nécessaire, les grosses. À moins que vous fassiez des gros tableaux. Alors, on y va légèrement, tranquillement. Commencez par une spatule à la fois, puis vous équiperez, vous vous gâterez un petit peu plus tard. Je vais vous transférer ma vue en plongée pour vous montrer le reste du matériel et comment utiliser ce matériel-là. Alors, je vous transfère ça. Oui. Alors, comme vous pouvez voir, juste tasser ça, ça fait de l'ombrage. Hein? Comme vous pouvez voir, je vous suggère fortement au début de vous acheter du Canva Pad. Ça va vous coûter à peu près 10-12 $. Il y a 10 feuilles. C'est dans le format 9x12 ou 8x10. Il y en a dans d'autres formats aussi. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est une tablette de papier de toile. C'est de la toile. Je suis rendue à la dernière. C'est de la toile. Regardez comment c'est flexible. Alors, pour vous pratiquer, ça va vous revenir à une pièce ou deux. Ça prend pas de place. Et vous pouvez faire des exercices là-dessus. Vous amuser, vous pratiquer. Et si jamais vous aimez ce que vous faites, tout ce que vous aurez à faire, c'est de le coller sur un papier, une planche de maçonnette. Et vous pourrez l'encadrer de la même manière que n'importe quel autre tableau. Fait que vous allez être correct à ce moment-là, sans problème. Alors, moi, je vous suggère le papier Canva au début. Après ça, si vous voulez, vous pouvez vous acheter des petites toiles, pas de problème. Mais le papier Canva va vraiment vous aider à faire des beaux exercices.
Et sincèrement, sur mon site, souvent, c'est ce que je vous fais faire quand c'est un exercice, à moins que ce soit un gros projet. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de quelque chose pour mélanger la peinture. Si vous travaillez à l'huile, je vous recommande d'avoir du papier palette. Du papier palette, c'est un papier un peu comme ciré. Ça ne passe pas à travers parce que la teltine, si vous prenez comme du papier parchemin, ça va passer bord en bord, ça va tacher votre table. Vous n'aimerez pas ça. Alors, celui-là, il est vraiment fait exprès pour la peinture. C'est l'idéal. Et ce qu'il y a de fun, c'est que si vous prenez une bonne qualité de tablette, vous allez voir, ça va être collé sur le côté, ici et là. Comme ça empêche la tablette, le papier, de bouger. C'est vraiment fantastique pour ça. C'est fait exprès pour la peinture. Alors, si vous peignez à l'huile, c'est le fun. La beauté de tout ça, c'est que si jamais vous avez fini avec la peinture à l'huile, vous pouvez la congeler. Alors, vous pourriez juste plier votre feuille comme ça en deux, la mettre dans un sac Ziploc et ensuite la congeler. Et quand vous allez continuer à faire votre peinture, juste à l'ouvrir 5 minutes avant de peindre et tout va être réglé, vous allez pouvoir peindre. Alors, je vous montre comment utiliser votre spatule pour commencer. Je vais juste voir s'il y en a qui ont des questions. Gênez-vous pas. Jusqu'ici, on va juste s'assurer que tout est beau. Oui, Carole, tu es à la bonne place. Adieu, je suis à la bonne place. Bon, Carole nous a trouvés. Tu es à la bonne place. Sur Facebook, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas bien. On a des problèmes avec Facebook, hein? J'espère qu'ils ne nous feront pas des problèmes un peu à cause de tout ce qui se passe là, dans les médias. En tout cas, si c'est le cas, ben je suis prête. J'ai ma chaîne YouTube que vous allez pouvoir me suivre sinon, ou directement sur mon site web. On va voir, je vais m'adapter avec tout ça. Alors, peinture à l'huile. Ça, c'est la spatule, c'est pour mélanger vos couleurs. Tantôt, je vous parlais du pinceau, puis je vous disais que c'est important, parce que regardez, ça c'est un bel exemple d'un pinceau qui n'a pas été bien nettoyé au début. Regardez comme ça. Voyez-vous ici la peinture qui reste, qui est là? C'est de la peinture qui a séché parce que je ne l'ai pas nettoyée toute seule. Je l'ai maltraité, ce pinceau-là. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive si on mélange avec notre pinceau? La peinture va se rendre jusque dans le rebord ici. Et là, ça va sécher. Admettons que je le fais souvent et que je fais tout le temps ça et que je ne suis pas capable de tout bien nettoyer. Ce qui va arriver à un moment donné, la peinture va remonter. Et là, plus ça va aller, plus je vais perdre de dextérité. Et le pinceau aussi, faut pas vous inquiéter, il va user aussi. Donc, si vous peignez toujours avec les mêmes pinceaux, ça va user, donc il va rapetisser. Alors, si ça rapetisse et que là, ça rapetisse, ben vous êtes mettre pris au bout de 6 mois, il va falloir vous acheter des nouveaux pinceaux. Tandis que si vous en preniez soin, vos pinceaux, vous allez les conserver. Regardez, j'en ai un autre langue de chat ici, super bien nettoyé, bien entretenu. Celui-là, il est encore super flexible, je peux le plier comme que je veux. Je vais l'user, oui, mais beaucoup moins vite. Donc, ça va peut-être prendre 2, 3, 4 ans avant que je sois obligée de me racheter un autre pinceau. Alors, vous allez conserver vos pinceaux beaucoup plus rapidement. Alors, ça, c'est au niveau des pinceaux. Pourquoi il faut utiliser la spatule? Alors, la spatule, là, vous allez avoir besoin... Là, j'en ai même pas parlé, mais des fois, les tubes de peinture, ça peut prendre du temps avant de pouvoir les utiliser. Des fois, vous allez hériter des tubes de peinture d'un ami qui décide d'arrêter de peindre. Les tubes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été ouverts. Si vous avez de la misère à l'ouvrir, vous pourriez prendre ça que vous pouvez acheter au Dollarama pour les bocals de pots maçons pour les ouvrir ou même les fonds de tiroirs. Moi, je les ai découpés en tout petit et ça me permet d'ouvrir mes tubes de peinture que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. Vous pourriez prendre des pinces, mais la première étape, ça serait ça. Et ça va vraiment très bien. Alors, ça peut être pratique à avoir dans votre coffre de peinture et ça ne coûtera pas cher. Alors, peinture à l'huile, je vais m'en mettre un petit peu, juste pour vous montrer le mélange des peintures. Pour ceux qui débutent en peinture, alors, lorsqu'on débute en peinture, si je prends de la peinture... Mettons le jaune. Si je veux faire un vert qui va être très pâle, je vais prendre en premier ma couleur pâle à laquelle je vais ajouter une miniature goutte de bleu. Hein? On va filer cheap comme que je dis tout le temps. On mélange la couleur et tout de suite, on va obtenir du vert. Ceux qui ont pris cours du cercle chromatique avec moi comprennent pourquoi. Alors voyez-vous, on arrive rapidement au résultat qu'on veut. Et
Si je veux peindre, je vais vous montrer avec une feuille de canevas. Ouh, mon Dieu, j'y ai payé à traite à celui-là. Ah, c'était la fin, c'est pour ça. Alors, si je prends mon pinceau que j'avais tantôt et que je fais juste prendre la peinture à l'huile, je ne mouille pas mon pinceau avant, je pourrais aussi, je vais vous montrer les trois façons de faire. Là, je commence à sec. Alors, admettons que je prenne la peinture à l'huile. Tu sais, quand je vous disais, ça n'en prend pas gros, la peinture à l'huile, regardez, je peux l'étirer. Je vais pouvoir m'amuser. C'est de l'huile. Il y a un peu d'huile dans la peinture. Alors, vous pouvez étirer, vous amuser vraiment longtemps avec la peinture à l'huile. Puis là, je ne l'étire pas trop, mais je pourrais encore étirer ça. Puis j'ai presque rien pris, vous l'avez vu, hein? Si je prends le liquin, on va l'ouvrir. Ouf, ça fait longtemps, lui, je ne l'ai pas ouvert. Un peu, on va prendre ça. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Ça vient gommant à un moment donné, mais tiens, je vais y aller avec la spatule. Pas niaiser longtemps avec. Ça fait un peu, c'est comme un petit peu gélatineux. Ça me fait penser un peu à du ketchup. Alors, si j'y vais chercher juste un peu de liquin et je vais chercher juste un peu de peinture, ça, c'est un médium que je vous disais tantôt qui va étirer ma peinture. Alors, voyez-vous, j'ai presque rien pris. C'est sûr, ça va rendre un petit peu plus brillant ma peinture aussi. Mais ça, ça dépend toujours de la quantité que je vais mettre de liquin par rapport à ma quantité de peinture. Mais voyez-vous comment large que j'étends et j'avais pris moins de peinture que tantôt. Parce que évidemment, vu qu'il y avait quelque chose dessus qui glissait, le liquin, bien, ça accroche moins de peinture. Alors, c'est pour ça que j'en ai moins. Je pourrais retourner en chercher, mais tantôt ici, ça en accrochait un peu plus. Il n'y avait rien sur mon pinceau. Fait que voyez-vous, puis là, je n'ai même pas étiré la sauce, là. Mais comme je vous disais, on remplit beaucoup plus avec le liquin. Je peux faire de ce qu'on appelle des lavis, des glacis. Je pourrais arriver une petite goutte de ça, une petite goutte de bleu et en rajouter par-dessus légèrement et faire ce qu'on appelle un petit fondu. Regardez, juste en refrottant délicatement dessus, j'ai rajouté un peu de bleu et je peux faire des fondus très délicats. Puis on peut en rajouter tant aussi longtemps qu'on veut. Fait que vous pouvez jouer comme ça, vous pouvez retoucher tout de suite. C'est la beauté de la peinture à l'huile. Puis je peux étirer ça. Écoutez, je peux remplir la toile si je veux avec juste ça. Ensuite de ça, vous avez la taltine. La taltine, c'est le fameux pot de solvant que je vous ai montré tantôt, comme ça. OK? Alors, la taltine, là, j'y vais en ordre décroissant parce que quand on commence une toile, on fait l'inverse de ce que je suis en train de faire. Alors, ce que je fais, je vais juste aller tremper un peu mon pinceau dans la taltine et je vais chercher un petit peu de peinture. Et là, ça rend très liquide. Je vais juste tourner ma feuille parce que je vais manquer de place. Tiens, comme ça. Et là, je dépose. J'ai presque pas pris de peinture, mais regardez, ça me fait un jus. Et regardez, dans le temps de le dire, je remplis beaucoup. Fait que ça, avec ça, je le sais, je pourrais remplir ma feuille au complet avec un petit fond très transparent de ma taltine. Là, j'arrête parce que je vais manquer de place. Là, c'est très éclairé, mes affaires. Vous ne voyez pas autant, mais il est quand même assez opaque, mais avec plus de transparence. Alors, avec la taltine, c'est la première couche qu'on irait mettre parce que c'est ce qu'on appelle un corps maigre. Hein, c'est un peu comme de l'eau, il n'y a pas grand-chose là-dedans. La deuxième étape, je passerai par-dessus avec un peu de liquin. Et là, je vais embarquer une couche plus opaque, plus épaisse. Et après ça, si je veux embarquer par-dessus, j'y vais pur avec de la peinture qui n'a pas eu de taltine, pas de solvant, pas rien. On appelle ça la méthode du gras sur maigre. Alors, on prend ce qu'il y a de plus maigre et on embarque tranquillement. Mais là, je viens de vous faire ça en accéléré, mais en temps normal, on laisse sécher la première couche. Hein? Après quelques heures, on revient avec le liquin. Après 24 à 48 heures, on revient, mais avec la peinture pure. Alors, on y va graduellement comme ça à plusieurs étapes. Pour nettoyer vos pinceaux. Alors, si vous débutez, vous vous demandez comment je fais pour nettoyer mes pinceaux. Premièrement, nettoyez votre spatule au fur et à mesure, idéalement. Ce qui est de le fun avec la peinture à l'huile, c'est que ça ne sèche pas tout de suite. Fait que même si vous l'oubliez, ça ne séchera pas tout de suite. Fait que vous pouvez nettoyer ça une petite affaire plus tard. Ensuite de ça, votre pinceau. Le pinceau, vous pourriez le laisser dans un porte-pinceau. Vous avez des blocs
Voyez-vous, de serre a sorti un nouveau bloc. Je ne sais pas s'il marche avec le gros pinceau. Si vous avez des petits pinceaux, de serre vient de sortir ça, qui est vraiment fantastique. Regardez, ça s'ouvre comme ça, au complet, tout endroit, où on peut le mettre dans tous les sens. Les petits pinceaux, je ne suis pas sûre qu'ils embarquent tout, par exemple, mais c'est fait plus pour les crayons. Mais si vous avez des petits pinceaux, vous allez pouvoir les embarquer là-dessus. C'est vraiment le fun. Mais il y en existe d'autres qui sont plus larges, où vous pourriez vous faire des plus gros trous ou vous en fabriquer un vous-même. C'est comme vous voulez, là. Alors, ça, c'est quand vous peignez à l'huile, vous pouvez utiliser ce type de porte-pinceau-là. Ça vous empêche que le pinceau va rouler partout sur votre table. Ensuite de ça, ce petit pot-là, il est le fun. Pourquoi? Tantôt, je vous ai parlé du transport, mais je ne vous ai pas parlé du double fond. Il y a un double fond là-dedans avec des trous qui va vous permettre d'aller gratter votre peinture, de bien nettoyer. J'ai mis ma taltine dedans et la boîte va dans le double fond parce qu'il y a un double fond. Alors, je nettoie tranquillement. Ça, c'est pendant que je travaille, pendant que je peins. Pendant que je peins, je nettoie mes pinceaux, idéalement, au fur et à mesure. Et j'éponge, très important. Alors, comme ça, vous allez pouvoir réutiliser vos pinceaux tout de suite. Et à la fin, quand vous aurez besoin de juste nettoyer pour les ranger, juste prendre un peu d'eau puis du savon, puis le nettoyer. Quand on a de l'eau puis du savon, vous pourriez prendre ces petits pots-là. Celui-là, je ne sais pas s'il est... Ouais. Alors, vous avez, là, il y a un peu d'usure, celui-là, puis un peu de peinture qui est dans le fond. Mais c'est un petit savon avec des petites graines dedans qui va frotter, qui va bien nettoyer dedans. C'est fait exprès pour la peinture à l'huile, l'acrylique. C'est merveilleux. Ça va vraiment bien. Ça ne salit pas tous vos bords de savon. Et ça vous empêche de nettoyer à même la paume de votre main. À ne pas faire. Alors, c'est important de nettoyer comme ça. Ou avec les petits ronds ou les petits cœurs, évidemment. Alors, ça vous permet de bien nettoyer votre pinceau. Et vous allez finir en nettoyant le tout. Alors, le petit pot, c'est à ça que ça sert, hein, pour nettoyer vos pinceaux pendant que vous travaillez. Alors, j'ai déjà vu des élèves, moi, qui étaient arrivés ici, puis qu'ils n'avaient jamais nettoyé leur pinceau, que personne ne leur avait dit. Oui, il faut nettoyer vos pinceaux, c'est super important. Les bases de la peinture à l'huile, est-ce que j'oublie quelque chose au niveau des bases? Je vais essayer d'aller voir si je peux voir vos questions. Je ne sais pas si Facebook s'est réveillé un peu. Si je peux voir la vidéo. Même pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. C'est vraiment bizarre. Puis si je vois mes notifications... Ah, je vais aller voir des fois que j'aurai mes notifications ailleurs. C'est vraiment bizarre. Non. Ça, c'est-tu... Ouais, ça, c'est un clavardage. On va aller voir. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, coudonc. On va trouver c'est quoi le problème cette semaine, hein? OK. Alors, je vais juste voir s'il y en a aujourd'hui. Non, c'est bon. OK. Alors, je suis désolée, je ne peux pas répondre aux questions. Je ne les vois pas. Mais moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre vos questions pareil dans le chat ou idéalement sur YouTube. Puis, je vais essayer d'y répondre par après le direct, tout simplement. Alors, ensuite de ça, au niveau de la peinture à l'huile, ce sont les bases que vous avez besoin de savoir pour débuter en peinture. Le matériel que vous avez besoin, c'est pas plus compliqué que ça. Ça vous prend des essuie-tout. Idéalement, les bleus, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que l'huile ne passe pas à travers. Alors, vous allez pouvoir essuyer et vous ne serez pas beurré parce que tout va avoir passé à travers. Et je vous recommande fortement d'avoir un tablier ou une vieille chemise, mais de grâce, ne portez pas votre plus beau linge quand vous peignez à l'huile parce que c'est sûr et certain que vous allez vous beurrer. Ça, c'est sûr, je vous le garantis. Alors, ça, c'est pour ceux qui veulent débuter en peinture à l'huile. C'est vraiment le matériel de base à vous procurer. Si vous n'avez rien comme matériel, ben allez voir la liste de matériel que je vous recommande sur mon site web. Vous avez accès à cette liste-là gratuitement. Vous avez l'article de blog aussi à la page 2 du blog qui vous explique un peu quelle couleur choisir quand vous voulez débuter. Et si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Je vais pouvoir tout vous montrer ça. Et si vous voulez des cours de peinture à l'huile, ben j'ai mon cours de peinture à l'huile numéro 1 qui est sur mon site web actuellement pour débutants où j'enseigne toutes les bases et qu'on fait même des projets ensemble au niveau de la peinture à l'huile. Et on commence même des directs dans 2 semaines là-dessus. Alors, maintenant, je ne sais pas pour vous, moi j'ai chaud, j'en ai sorti du stock. Alors, là, ce que je vais faire,
je vais tout simplement vous montrer comment réparer ça. Comment réparer des gaffes? Alors, comment réparer des gaffes en peinture acrylique? OK? Là, j'ai travaillé sur une peinture, sur une toile en bois. Et vous allez voir, ici, j'avais mis comme un tape tout le tour. Alors, le tape, vous allez tout simplement pouvoir... Tu sais, ça fait toujours un petit rebord. Alors, moi, ce que je vous suggère de faire, pour commencer, on va commencer par mettre une couche de gesso. Le gesso, c'est quand on peint à l'acrylique, OK, que ça va être important d'en avoir. Si vous peignez à l'huile, c'est vraiment pas essentiel pour plein de raisons. Aujourd'hui, je pense que j'aborderai pas le thème du gesso. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'en parle plus profondément, si je peux dire ça de même. Plus en profondeur, moi, je vais me prendre un pinceau qui est sec. Quand on peint à l'acrylique, on peut y aller à sec, comme ça. Ou on peut y aller avec le pinceau humide. Mais là, dans le cas présent, c'est une couche de gesso que je veux faire. Donc, je ne veux pas l'étirer, ma peinture. Je ne veux pas mettre d'eau parce que je veux une bonne couche, je veux une épaisseur. Je veux que ça va empêcher le bois d'absorber les produits que je vais mettre par la suite. Alors là, hein, je viens de voir, il y a une petite chip en plus. Ça va me permettre de pouvoir empêcher que la chip... grâce à ma texture. Fait que la première chose que je fais, je vais couvrir partout avec du gesso. J'ai choisi de mettre un gesso blanc. J'aurais pu mettre un gesso blanc, transparent. J'aurais pu mettre un gesso noir. Ou j'aurais pu tout simplement mettre une couche de couleur dans mon gesso et ça aurait fait la job. Hein? Parce qu'on peut rajouter de la couleur dedans et ça se trouve à faire le lavis en même temps. Alors, vous pouvez avoir les deux façons. Qui vont très bien faire la job. Ah, il fait pas pire chaud dans mon atelier. C'est pas juste moi qui ai chaud. Je le vois, le gesso, il sèche vite. Je vais aller m'en mettre d'autres. Fait que là, je suis en train de mettre un gesso blanc de Liquitex. Vous pouvez le retrouver chez Dessert. Dans toutes les boutiques, hein, les boutiques d'art, les bonnes boutiques d'art tiennent le Liquitex. Liquitex, c'est vraiment une très bonne marque. Autant pour la peinture que pour les médiums. C'est vraiment une compagnie qui est fiable, comme la Golden. C'est deux compagnies que j'aime beaucoup. Il y a la compagnie Triart aussi, qui fait des très bonnes marques au niveau des médiums et de la peinture. Il y a plein de compagnies. Les médiums aussi, dans le PBO, j'aime beaucoup leurs médiums. J'accroche mon micro de temps en temps. Je ne sais pas si vous entendez du bruit. Alors là, je mets une mince couche parce que je veux juste empêcher que ça absorbe. Et vous allez voir pourquoi je vous ai dit tantôt que je voulais vous montrer avec la pâte à fibres. La peinture acrylique, pour ceux qui n'ont jamais peint à l'acrylique, on nettoie nos pinceaux avec de l'eau. Alors, j'ai juste mis un peu d'eau dedans. Le temps qu'on peint, on peut laisser tremper un peu le pinceau dedans. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre de l'eau plus haut que la hauteur de la virole ici. Parce que si vous dépassez l'eau... puis qu'elle embarque sur le bois, c'est là que vous allez endommager vos pinceaux parce que le bois va absorber hein, l'eau. Et puis, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ça va venir qu'à sécher, craquer, rapetisser et la peinture va partir d'après votre manche. Ça va être le bordel. En gros, ça va être ça. Alors, quand vous peignez, vous pouvez le laisser tremper un peu parce que c'est un petit peu plus difficile à nettoyer comme il faut. Mais assurez-vous d'aller nettoyer de temps en temps pendant le temps que vous peignez. Puis sinon, ben épongez-le comme il faut pendant que vous êtes en train de peindre. Mais on laisse le moins possible dans l'eau le temps qu'on peint, c'est sûr. Mais si vous n'avez pas le choix, vous êtes mieux de le laisser dans l'eau que de le laisser à plat comme ça avec la peinture. Parce que la peinture acrylique, ça sèche vite et ça magane vos pinceaux. Alors, la première chose que je vais faire... Je vais juste vous montrer la pâte à fibres. Si vous n'avez jamais utilisé ce médium-là, je vous le dis, c'est un médium à découvrir. Si vous êtes des peintres aquarellistes et que vous aimeriez essayer la peinture acrylique, c'est vraiment le médium parfait pour l'essayer. OK? Alors, oh, il est neuf. Je pensais que j'avais pris mon pot qui était usagé. Ça veut dire que l'autre est fini. OK. Alors, pâte à fibres, comment qu'on utilise ça? Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Dans le cas présent, je veux vraiment cacher... les rebords, puis je ne veux pas qu'on sente une différence dans la démarcation. Donc, je vais commencer par y aller avec la spatule sur les côtés et je vais mettre une certaine épaisseur.
Ma peinture n'est pas tout à fait sèche. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne vais pas gratter, je fais juste déposer par-dessus. Alors oui, je peux en mettre parce que j'aurais pu mélanger ma peinture acrylique avec la pâte à fibre, puis il n'y aurait pas eu de problème. Et là, je fais exprès. Ça se prend et ça se dépose comme quand on fait un gâteau. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait de gâteau? Moi, je pense que tout le monde a déjà fait un gâteau dans sa vie. J'espère. Sinon, sortez la pâte à fibre, vous allez avoir l'idée un peu c'est quoi de mettre du crémage sur un gâteau. Alors, j'en mets quand même une certaine épaisseur. Je dépose, je frotte et je fais exprès pour faire de la texture. La première chose que je fais, je vais remplir tous les côtés pour être sûr de ne pas oublier de racoin. Fait que j'y vais quand même assez méthodiquement. Puis voyez-vous que ma spatule, tu sais, tantôt je vous disais, c'est le fun avec deux spatules. Ben, quand on fait des techniques mixtes, la deuxième spatule va être bien pratique. Alors, vous allez pouvoir le déposer comme ça. Et vous y allez comme vous voulez, comme vous le sentez. Puis là, tantôt, vous allez triper. Là, c'est sûr, j'en mets épais. On ne viendra pas à bout de toute finir cette toile-là ce soir, c'est sûr et certain. Une autre journée, je pourrais vous montrer un autre technique qu'on peut faire avec ça. Mais déjà, juste de savoir comment le déposer, de connaître les trucs, après, ça va vraiment vous aider. Et si jamais vous n'êtes pas capable d'attendre, ben allez vous acheter la peinture, pas la peinture, la texture en pâte à fibre. Abonnez-vous au forfait membre de l'atelier. Actuellement, il est en spécial, hein, j'ai un 30% de rabais qui se termine ce soir à minuit en passant pour mon membre de l'atelier. Et il y a plusieurs cours de peinture à l'huile, de peinture acrylique, de technique mixte. Et on a deux, trois projets qu'on fait avec la pâte à fibre qu'on a fait cet été qui sont déjà disponibles. Vous vous abonnez, vous avez déjà accès à ça. Alors, si vous êtes pas capable d'attendre. Et à toutes les semaines dans ce forfait-là, vous avez des cours en direct qui se rajoutent. Tous les jeudis. Et les rediffusions sont disponibles par la suite. Alors, voyez-vous, j'ai fait le tour. Là, vous pourriez faire exprès, laisser juste la texture comme ça, puis juste vous amuser, créer des textures, faire exprès, faire comme si c'est quasiment un encadrement. OK? Là, j'y vais juste en rondeur, puis je dépose des grosses textures. Vous pouvez aller gratter là-dedans. T'sais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez faire comme l'effet stucco que j'appelle. C'est à vous de décider. Vous pouvez faire une vague. Amusez-vous. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. Quand ça va sécher, vous allez revenir avec de la couleur. Si vous le laissez comme ça va créer vraiment une profondeur particulière. Ça va faire une texture dans votre toile. Et vous pourriez aussi, après, arriver et remplir. Puis vous pouvez laisser des trous entiers, hein? Vous pourriez arriver comme ça, puis en laisser des trous de même. Ça peut être très intéressant en peinture, ça. Puis si jamais vous vous dites, ah, finalement, les trous, je ne veux pas les laisser, c'est pas grave. Vous avez juste à rajouter de la peinture, de la texture par après. Même si ça a séché, vous pouvez en rajouter par après. Fait que, voyez-vous, puis si vous trouvez qu'il y en a trop, enlevez-en. Tu sais, ça ne dérange pas. C'est ça qui est le fun avec les textures, les techniques mixtes. Partout où vous trouvez que vous n'avez trop mis, vous pouvez le gratter, frotter ça, aligner la gestuelle partout. On laisse sécher. Puis, une autre journée, quand ça sera bien sec, je pourrai revenir et vous montrer. Je vais aller calmer un peu ça. Bon, parfait. J'aime ça ici, les effets que ça donne, hein? Regardez, c'est beau. Fait que, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est juste de vous assurer que les côtés sont corrects. Dans le sens que si ça déborde, vous pouvez juste gratter comme ça. Assurez-vous qu'après ça, ici aussi, ça va être correct. Ou vous pouvez laisser sécher. Quand ça va être sec, vous allez pouvoir passer un petit papier sablé. Ou vous pourriez aussi, un coup que c'est sec, tranquillement, pendant la semaine, en rajouter de la texture sur les côtés pour faire la finition. Vous pourriez même arriver avec une petite guenille pour l'essuyer. Là, c'est plus touché. Mais juste comme ça, on le laisse sécher. On nettoie comme il faut la spatule, hein, super important de ne pas oublier de la nettoyer. Très important. Alors, et si vous avez une très grande toile, je vous suggère plus de sortir votre médium, la quantité que vous avez besoin ici, et de fermer le pot. Là, je savais que ça irait quand même vite. J'aurais dû pareil fermer mon pot pour pas que ma pâte à fibre sèche, mais je savais que ça irait quand même relativement vite. Et assurez-vous de bien fermer votre pot. Si vous ne l'utilisez pas régulièrement, votre pâte à fibre, ou vous ne savez pas quand vous allez le réutiliser, je vous suggère fortement de mettre un petit papier cellophane
papier transparent par-dessus, entre le couvercle et le pot pour empêcher de sécher. Ça, vous allez sauver beaucoup de temps, ça va durer beaucoup plus longtemps votre médium parce que les médiums ont tendance à sécher quand même rapidement et ce, peu importe la compagnie. Alors, voilà pour comment récupérer une toile qui scrape. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre que ça sèche. J'espère que, regardez, les textures, si c'est le fun, ça va être cool, hein? Puis, une autre journée, je vais vous montrer, je vous ferai une petite surprise, je vous ferai un direct surprise pour vous montrer la pâte à fibres, comment qu'on peut l'appliquer. Il y a deux, trois techniques, je vais vous en montrer une la prochaine fois. Alors, voilà, s'il y en a, est-ce qu'il y en a qui viennent juste d'arriver? J'ai parlé de tout ce qu'il faut savoir à propos de la peinture à l'huile quand on débute. Et là, comment réparer une toile acrylique. Si vous aimez ces petits trucs-là, abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne Facebook si vous voulez. Ce soir, je ne sais pas ce qui se passe sur Facebook, c'est difficile. Mais sur la chaîne YouTube, ça va vraiment bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. Si vous avez aimé, faites-moi un petit signe. Ça me fait toujours plaisir de voir ceux que ça a aidé. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, dites-moi ce que vous avez appris de nouveau ce soir. C'est le fun à savoir. Et ça me permet vraiment de voir. Puis là, j'entends des ting-ting. Je suis sûre que vous êtes en train de m'écrire. C'est dommage, je ne peux même pas voir. J'ai essayé autant comme autant tantôt. Puis ce soir, c'est la fin de ma promotion, de mon lancement de mon site, comme je vous disais. J'ai mon cours de la totale. Si vous voulez avoir un accès à presque tous mes cours en ligne, il y a le forfait la totale qui est à 30% de rabais qui vaut vraiment la peine. On a des rencontres en direct à chaque semaine. J'ai mon forfait la chimie des couleurs qui est à 30%. Ça, si vous êtes un artiste professionnel ou un artiste intermédiaire et que vous pensez tout savoir à propos de la couleur, prenez cette formation-là. Vous avez enfin trouvé un cours que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, je vous le garantis. De toute façon, vous avez une garantie d'achat de 14 jours, hein. Si vous n'êtes pas satisfaite, je vous rembourse dans les 14 premiers jours. Et vous avez le forfait membre de l'atelier qui est en spécial à 30% de rabais pour un an avec du nouveau contenu chaque semaine, comme ce que je viens de vous faire ce soir. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et pour ceux qui veulent débuter la peinture à l'huile, ben, j'ai mon forfait de peinture à l'huile. Il y a déjà du contenu que j'ai mis là il y a 3 ans quand on a débuté le site. Je vais remettre à jour tout le contenu de ce cours-là. Dans 2 semaines, à la fin du mois, le cours de peinture à l'huile va débuter en direct. Ça va être des cours enregistrés en webinaire. Vous allez pouvoir me parler via le chat, mais c'est un peu comme sur le Facebook ou le YouTube de ce soir. On ne voit pas personne à part moi, mais je vais vous partager, on va faire des choses ensemble pendant 8 semaines et vous allez avoir du nouveau contenu. Donc, ceux qui achètent le cours actuellement, vous allez avoir accès à l'ancien cours et vous allez avoir accès au nouveau cours. Alors, vous allez avoir une très, très grosse formation qui va vous revenir vraiment pas cher parce que à la fin des 8 semaines, le prix va être ajusté, évidemment, puisque le cours est en reconstruction, je l'appelle comme ça. Et ceux qui vont avoir déjà le cours, ben, il n'y aura rien qui aura changé, à part le prix pour ceux qui vont vouloir s'abonner par après, parce qu'évidemment, il va y avoir énormément plus de contenu. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis désolée pour les messages. Je sais qu'on ne peut pas. Je vois, il y en a qui cliquent j'aime, mais je ne vois pas les messages. C'est vraiment, il se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette semaine. J'ai vraiment de la misère. Le chat n'a pas l'air de fonctionner. Puis même moi, j'essayais d'aller voir. C'est vraiment difficile. Ils vont sûrement popper. Puis, tu sais, d'habitude, je vois fin des célébrations un jour. Non, c'est ça, je ne vois pas le bon direct. D'habitude, je vois toujours le bon direct. Mystère à boule de gomme. J'espère juste que ça a fonctionné. Mais sûrement, si vous cliquez j'aime, Yvonne qui est là. Merci Yvonne, c'est gentil. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Demain commence le cours de composition. C'est vrai, mon nouveau cours commence. Demain, c'est le 13. Le cours de composition 1, les directs commencent demain. Si vous êtes abonné, que vous ne pouvez pas être là en direct, inquiétez-vous pas, vous allez avoir accès aux rediffusions. Ceux qui s'abonnent déjà, vous avez accès à la première semaine. Vous pouvez déjà consommer les contenus et on va pouvoir faire des exercices ensemble demain.
pour vous aider et je vais répondre à vos questions par rapport aux compositions de vos tableaux. Mais ça va vous aider. C'est un beau 8 semaines qu'on va faire ensemble qui va vous permettre d'aller vraiment plus loin et de passer au niveau professionnel, au niveau avancé, au niveau des compositions. Et vous allez avoir beaucoup de tableaux qui vont cesser de dormir dans vos garde-robes et que vous allez pouvoir enfin accrocher dans vos expositions. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. Bye bye. Alors, voilà pour mon code promo de chez Dessart. Vous pouvez faire une capture d'écran, c'est Céline 10. Ça vous prend le visuel, vous pouvez faire scanner ce code-là. Et le code, ça vaut la peine de l'enregistrer dans votre cellulaire parce qu'il est bon jusqu'au mois de janvier 2024. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bye bye.